Nous sommes de retour dans Resident Evil 4 Remake. Alors, la dernière fois dans le premier épisode, on est mort une fois quand même. On est mort une fois. Mais au final, c'était bien passé. La deuxième fois, on s'est pas fait toucher une fois, je crois. Ah, donc ouais. Par contre, on est un peu bas en vie. Je crois qu'on peut manger un œuf. Un œuf prêt, peut-être pour gagner la vie. Oh oui, on va manger un œuf. Ça remet pas mal de vie. Faut voir ça. Ouais, on va manger un œuf. Je sais pas, par contre, peut-être qu'on pourra les vendre, les œufs. Enfin, je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, on va prioriser. Ouais, non, aussi, c'est un mot, je viens de le dire. Je viens de le prononcer. Prioriser notre vie. Voilà. Oh! Ok, il y a un mec là. J'imagine qu'il y a plein de petits secrets dans le genre où. Il y a des. Ok, il y a quelqu'un là. Des bijoux à récupérer. Ok, très bien. Fusil à pompe qui est pas chargé à fond. Ok, cool. Fermé. Ah, c'est fermé. Chut, Léon, il y a quelqu'un derrière la porte. Est-ce qu'on peut... Là? Non. Ah, le moulin. Par le moulin, peut-être. Qu'est-ce que c'est cette pompe? Ok. Oh, il y a des objets et tout. Ouais, il faut vraiment qu'on rentre. Ouais, je pense que c'est par le moulin. Le passage au-dessus de moi, là. C'est quoi ça? Alors, les requêtes. Lorsque vous voyez une affiche bleue, récupérez-la pour vous occuper d'une requête. Vous pouvez retrouver les requêtes en cours dans le menu documents. Alors, pour l'amour du ciel, quelqu'un peut-il nous débarrasser des médaillons bleus que ces fanatiques ont accrochés partout? Requête. Détruire tous les médaillons bleus, zone ferme, récompense 3 spinels. Progression 5. Ok. On est à la ferme, nous. Hein. Où est-ce que ça nous dit? Je crois. Oui, ferme. Ok, c'est là. C'est quoi ça? Ah, mais. Ah, mais on les a sur la map. Ok. D'accord, on les a sur la map. Bon, bah tant mieux. Bon, bah ça va être simple comme ça. Wow, ok. Est-ce qu'on peut la désamorcer? Ouais. Ouh. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme ça ou il faut... Non, herbe jaune qui augmente la jauge de vie, le gain dépend à ce quoi l'herbe est mélangée. D'accord. Je me demande si on prend plus de vie parce qu'elle est, est avec une herbe rouge. Attends, d'abord, on va faire le tour de l'endroit. Bougez pas, les cochons. Ah, il y a un médaillon, là. Très bien. Dégueulasse. Attends, j'ai vu un médaillon là.
Ah. Un médaillon. Bien, Léon, bien. Je pense pas hein, que ça, on peut faire quelque chose. Je pense pas que ça fasse... ça abîme le couteau hein, de faire ça, je pense pas. Fais voir un peu. Allez, devant. Ouais. Pas très contente la personne à l'intérieur. Dégueulasse. Derrière. Grenade, très bien. Ah. Ouais, non, pas besoin de tuer les poules, hein, je crois. Je dirais. Parce qu'elle pompe des œufs de temps en temps. Ce qui est bien, parce que honnêtement, point de vue vie, quand même la galère. Landestas. C'est moi ou elle est passée au-dessus de moi? Ah oui! Un peu peur là madame. Faut vraiment que je vois si avec le F. Parce que ce qui en va dans les options vite fait, une seconde. Si on va dans les options et qu'on regarde les touches. Genre il y a esquiver. Genre s'accroupir, se relever et esquiver. Donc bon. Faut voir si en. Genre une attaque comme ça où elle me fonce dessus, est-ce que je peux vraiment l'esquiver ou pas? Après, moi, ce que je vais plutôt faire, c'est parer, parce que... Il va falloir que je répare ça. Marche. Léon, arrête de regarder si t'as une balle dans le... dans la chambre. Elle va pas se volatiliser, hein, la balle. Quoi ce bruit? Merde! Roue dentée en bois. Couteau de cuisine. Merde, qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah oui, on peut esquiver! Oh la vache! On peut esquiver, j'ai vu, il y avait F. Oh la vache, le retour. Non mais t'es sérieux, je vais pas utiliser toute mon... Okay, bien, bien, bien. Oh l'autre il s'est pris la hache je crois. Jamais. Ok, bien.
Bon, bah, vive la violence, c'est cool. Quand heureux que je disais qu'on avait pas mal de soins, hein. Putain. Alors, c'est quoi ça, du coup? Un couteau de cuisine dont la lame s'ébrèche facilement. Okay. Donc ça peut remplacer mon gros couteau de combat, j'imagine. Okay. Bon, après on n'a pas utilisé tant que ça. Hein. Je crois que j'ai quoi? J'ai eu le soin pour me augmenter la vie. Bon, ça c'est bien. Et on a eu... on a eu quoi d'autre? On a utilisé un œuf, je crois. Ouais, un œuf, c'est tout. Donc ça va, c'est pas trop... Ça s'ouvre pas. Par là? Non. Mais ouais, on peut esquiver du coup. Un passage là. Ouais, il y a un passage et il y a des objets à récupérer. Je sais pas comment y aller. Du coup, c'est cette porte là. Ça s'ouvre pas. C'est bizarre parce qu'il a dit que ça s'ouvrait pas, mais il a pas dit que c'était fermé. Genre à clé. Non. Bon, c'est pas grave. On avance pour le moment. Alors il m'a pas dit si on avait besoin d'une clé ou autre chose. On verra. Ok, très bien. Ah, peut-être là. Oui, c'est là. Oh. Un pichet. Combiné... Oh, c'est bien ça. Combiner des trésors. Vous pouvez voir les trésors que vous avez récupérés dans le menu objet clé et trésors. Certains trésors peuvent être vendus plus cher si vous y insérez des pierres précieuses. Oh, vous pouvez voir un peu. C'est ouf. Ah oui, c'est vrai qu'on peut crafter des trucs. Hein. J'avais complètement zappé. Merde. Ouais, j'avais complètement zappé. Une ferraille. Bon, arrête de t'amuser avec l'inventaire, désolé. Des médailles, ça on l'a fait. Radio avec une igane. Alors, trésor. Comment ça marche? Sertir, examiner. Alors, fichier est finalement décoré avec deux renfoncements ronds sur les côtés. On peut y insérer des pierres précieuses. Sertir. Oh, ça tue. Bonus de combinaison. Sérieux? Wow, what? 5 couleurs, 5 pierres précieuses de différentes couleurs, x 2. Ah, ok. 3 pierres. Putain, c'est vachement sympa ce système. Duo et trio. Quintette. C'est sympa. D'accord. Bah, du coup, on va le garder de côté. Donc, ça, c'est quoi? Type de minerai qu'on trouve dans la région. Objet destiné à être vendu.
combiné avec certains trésors. Ok, ça on le vend direct par exemple. Ça marche, c'est sympa. J'aime bien. Ah, ils ont rajouté plein de petites choses comme ça. Hein. Genre un peu RPG et tout. Enfin, genre on va passer du temps à se balader en fait. Genre à explorer, peut-être revenir sur des vieilles zones et tout. Ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Ça a l'air vachement plus grand aussi. Ok, j'entends personne. Ah, c'est un raccourci ça, je crois. Non? Non, peut-être pas en fait. Avec la tête qui bouge à l'intérieur, c'est dégueulasse. Je vois un peu. Non, c'est peut-être pas un raccourci en fait. Bon, on va d'abord fouiller ici. Ça doit être la suite du chemin en fait. En fait, j'arrête pas de dire en fait, désolé. Mince. On fait le tour. Téléphérique. Ah. Peut-être une maison où on pourra genre revenir plus tard, je dirais. Ah, il y a vraiment un rajout de grandeur où on peut revenir sur nos pas et tout. Là-bas, il y a une. Un renfoncement là. Ouais, je pense pas que je puisse y aller, à moins que je sois aveugle, mais. Ouais, je pense pas. En tout cas, pas pour le moment. Non, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup là. Que du coup ça fait vraiment quête secondaire, on va revenir sur nos pas, on va fouiller, on a des missions, enfin voilà, c'est vraiment sympa. C'est pas une ligne droite quoi. C'est vraiment pas une ligne droite. Tu vois un peu notre vie. Ouais. Pas trop la joie mais... Ah ouais, non, moi aussi j'en ai marre là. Putain de merde. Okay, très bien. Je crois que je l'ai eu l'autre aussi. Ah, il s'est cassé la nuque, mais il est pas mort. Suivant. On dirait qu'il mute pour de vrai, hein. Quand il se casse la nuque, là, bizarrement et tout. On dirait qu'ils sont beaucoup plus résistants et beaucoup plus vénères. Intéressant. Il y a des bruits un peu partout. Oh, ça va être fun.
Ouais, je sais pas si on se soigne ou pas. Honnêtement, là, je kiffe l'aventure. Vraiment, je suis. Ah, c'est ça tue. Je suis vraiment heureux de l'aventure là pour le moment. C'est pas ça que je vais faire comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pistolet, on a. Ouais, à la limite, je ferai des cartouches de fusil à pompe si on en a besoin. Aziz. Aziz. Aziz Lumière. Non, tu veux pas, Léon? Ok. Ah. Il y a des rats. Non, les chauves-souris. Putain. Je me demande si on peut les tuer. Ah, là. Je crois qu'il m'a vu. Ok, très bien. Parce que j'ai peur qu'il me balance des trucs en fait. Ah, on peut aller à droite. Fais voir la carte. On peut aller à droite, je crois. Putain! Va falloir que j'apprenne à contrer. Ok, va falloir que j'apprenne vraiment à contrer. Oh oh. Oh yes. Tiens, prends-toi ça. Recharge. Mon dieu, compte bordel, je suis nul. J'avoue que je suis. J'ai pas le réflexe encore. Si je fais ça, je peux. Ouais, non. Faut que j'arrête de viser et que j'essaye de taper en fait. Putain. Réflexe de nul, quoi. Aïe 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 aïe. Bon, après, c'est que 2 œufs, ça va. Oh oh oh. Vénère toi. Attends, toi tu me fais. On va s'occuper d'abord de la fille en haut parce que. On peut. Ok, nickel. Okay, on va garder ça là au cas où si ça peut nous aider. M'étonnerait, mais. Oh la vache. Oh non! T'en as combien des haches? S'en ont combien des haches? Hein? C'est quoi ce bruit?
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un sur 16, ok. Ah, il y a plein de trucs. Hein. C'est... Ah, c'est le jeu que tu vas passer des heures et des heures dessus. Hein. Les collectionnables et tout ça. Les points. Enfin, abusé, quoi. Il y a encore un piège là. J'ai l'impression que les pièges font pas de dégâts. Mais bon, bien sûr, ça nous bloque, quoi. Attends, je crois qu'il y a du monde, on va monter. Quoi ce bruit? Ouais. C'est un spécial. Ouais, il a un peu mal, notre Léon, mais bon. Pas envie de commencer à bouffer de la vie partout pour un non. Je sens que ça c'est un gros truc ça par contre. Je sais pas si c'est une bonne idée de... Oh le lac comme il est grand, ça tue. Ah c'est stylé hein. Ah, c'est stylé. J'aime beaucoup. C'est peut-être ici. On va d'abord faire le tour. Tous les détails, les poissons par terre et tout. On est d'accord qu'il y a un truc à l'intérieur, il y a une bestiole. Quoi. Ça, quand on aura la clé, il faudra y retourner. Parce que ça fait la deuxième boîte. Je pense que c'est du bonus, peut-être. Des trucs à récupérer une fois qu'on a la clé. Bon, allez, on y va. Léon, merci. Je me demande si on peut tirer dessus. Est-ce que ça explose si on tire dessus? Mon dieu, le bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai du mal. Ok. Tu veux rien nous dire, Léon? On a gardé le document, par contre. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, ça m'inquiète un peu. Je vais être honnête. Bon, après, on a un fusil à pompe dans les mains, donc ça m'inquiète un peu moins, mais... Je crois que j'aurais pu foncer dessus. Je crois que j'aurais pu foncer dessus et le poignarder. Ouais, parce que je crois que même quand il se retourne, on a quand même un temps de réactivité. En gros, tant qu'il s'alerte pas vraiment, qu'il gueule pas, il est pas vraiment alerté. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense qu'on aurait pu. Bon, on descend. Ah, super. Ah oui,
Oui, jette-toi comme ça, Léon. Vraiment bien. Ah, j'aime bien comme il garde le fusil. Il le repose sur son bras comme ça. C'est classe. Oh merde. Y'a quelqu'un dedans ? Bah, une question conne, c'est pas vraiment une question. Oh, c'est qui ? Oh, c'est Tu sais que ça fait mal ? Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, seigneur. Et t'as pas une clope ? Eh non, je tiens à ma santé. Tu peux me détacher au moins ? Je crois que c'est Louis, je crois ? Oh, mais non, merde, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes qui ? Qui c'est ? C'est où vous êtes ? Oh non. Oh d'accord. Chapitre terminé. Ok. Ah, on est direct déjà infecté. Je croyais que ça... Enfin, si je me rappelle bien, ça arrive plus tard hein, dans l'original. Fais voir un peu. Hardcore, 1h06. Mort une fois. Attaque subie 7. Pression 4. Ouais, ça va. Machine à écrire. Ouais, je pense que ça va, on s'est bien débrouillé. Ouais. On a quand même beaucoup de choses, hein. on peut faire pas mal de munitions. Hein. Ah, peut-être que je pourrais mettre des trucs dans le coffre, non ? De toute façon, la ferraille, normalement, on peut l'envoyer directement dans le coffre. Enfin, les objets qu'on a, je crois qu'on peut les envoyer directement dans le coffre si on n'est pas. Donc c'est pas très grave. Je peux garder tout sur moi, c'est ça que je veux dire. C'est quoi, menu pause ? Sympa. J'aime bien le système qu'ils ont fait, c'est vraiment cool. Agneau sacrificiel, tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. C'est quoi ce bordel ? Hey, arrête ça ! Hey, Yankee, t'as un nom ? Léon. Pas bavard, hein ? Moi, c'est Luis Serra. Je crois que toi et moi, on a mal choisi où passer nos vacances. Hey, arrête, ok ? Tu bouges ? Je bouge. J'ai déjà assez morflé comme ça. Putain, mais tirer okay, à deux, quoi. Ce que tu comptes faire. T'es habitué à ce genre de situation, hein ? Paris, t'es ici pour retrouver quelqu'un. Laisse-moi trop. Peut-être. Tu cherches une señorita ? Une jeune fille. Parle. Maintenant. Ok. J'ai entendu dire qu'ils emmenaient une señorita. L'emmenaient ? Où ça ? Qui sait ? Mais après. J'ai vu des types traîner quelqu'un vers la vieille église. Merde. Merde. C'est pas une vie. Oh, oh. Bien joué. Ça doit faire mal au... honnêtement au genou, à la jambe, de d'avoir la chaîne comme ça, mais... Hey, mais pas où est-ce mal. Que tu vas ? Plus, amigo. Crac, connard. Merde, mon équipement. T'es sérieux ? Est-ce que je suis full vie ? Condor 1 à Perchoir. J'ai localisé Eglon. Apparemment, ils la retiennent dans une église. Bien.
On progresse ? L'info vient d'un type que j'ai rencontré. Un certain Luis Serra. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Tu pourrais te renseigner à son sujet. Reçu, Condor 1. Je vais voir ce que je trouve. Toi, pendant ce temps-là, rends-toi dans cette église. Ouais. J'ai 2-3 trucs à confesser en plus. Condor 1, terminé. C'est pas Aiglon qui veut dire. Parce que chaque fois, je crois qu'il dit Aiglon. Chapitre 2. Carte mise à jour. Carte mise à jour, 2 fois. Quoi, 2 fois? Objectif intermédiaire. Oh! Ok, objectif intermédiaire. Ça marche. On avait tellement de matos, honnêtement. J'espère qu'on n'a pas tout perdu. Hein. J'espère vraiment qu'on n'a pas tout perdu, parce que quand même... Ça va me faire... Je vais pleurer. Oh non... Bouge pas. Attaquer avec un couteau à pied pour donner un grand coup. Le couteau maintenait sa soin pour poignarder rapidement un ennemi. Ça marche, merci. Ok, on l'a équipé automatiquement. Par contre, je vois rien du tout. Ouais, bah on n'a plus la lampe non plus, j'imagine. Alors, ennemi furtif, glissez-vous discrètement dans le dos d'un ennemi lorsque vous avez le couteau éliminé sans. C'est maintenant que. Ouh, il est beaucoup moins résistant que celui-là qu'on avait, je crois. Ouh, couteau. Hey, c'est ah moi ça. Bon stuff. Ok, cool. Ça marche. Merde, on l'a vu, je crois. Je crois qu'on va être obligé de le combattre. Je crois qu'on va être obligé. Ouais, celui-là, il. Lorsque vous avez un couteau, vous pouvez parer une attaque en bon sur espace dans l'icône apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. Il est possible de parer même si vous appuyez avant que l'icône n'apparaisse. Si vous le faites au bon moment, l'ennemi sera déstabilisé. Tu veux voir un peu? Bam. Ah oui. Mais moi je crois que je peux parer en juste en tapant aussi. Ouais, je peux le faire. Ok, bien, 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 bien. Yes. Waouh, c'est dramatique, hein, ta mort. Ok, cool. Ouais, non, ça va. Ah, moi, j'ai pas besoin... Enfin, je peux le faire en faisant espace. Mais j'ai activé ça. Je le remonte, ce que j'avais montré, je crois, la dernière fois. La première vidéo. La parée en tapant, en fait. Enfin, c'est le... Pour moi, c'est ça avec la souris. Mais sinon, c'est pour tout simplement taper, en fait. Genre RT, tirer, coup de couteau. Ben voilà, on peut pas parer normalement. De base, il est sur non, mais là on peut. On peut tuer ces trucs. Oh, 1 sur 3. Attends, il est où les autres? Ils sont où les autres? Là, 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 là. Deux. Est-ce qu'il y en a un qu'on a vu au début? Il n'y en avait pas un là de rat. Non. Peut-être après. Après j'imagine que c'est vrai que le fait de
de pouvoir parer quand on tape. Genre, j'imagine que je vais parer au lieu de taper des fois. Enfin, de toute façon, c'est bien de... Oh putain, il y a un piège juste là. Bah attends, on va les laisser pour le moment. Ah, il est là, le rat. Ouais, bah attends, il va attendre, le rat. Non, non, garde le couteau à la main, Léon. On va en avoir besoin. Ok, go. Le machin, quoi. Dératisation complétée. Ah, c'était ça le... Non, j'ai rien dit. Ah, le gameplay est vraiment sympa. Oh. Oh putain, je vais devoir courir. Go, go, go. Oh, faut faire attention, il y a des pièges. Merde. Oh putain, il y a des pièges. Go, go, go. Yeah, bien joué. Bien joué. Je récupère tout ça. Il met pas le... Ah oui, voilà, je me suis... Il met pas le fusil dans le dos. Ça fait un peu bizarre comme ça. Ouais, on a beaucoup de trucs là. Ah non, je peux pas. Il y avait pas un moyen d'en... Ah oui, envoyer au coffre, oui, je peux. Il y a pas tout en fait. Les armes. Pas envoyer au coffre. D'accord, ok. Ça marche. Genre ça, je peux pas. Ok. Un couteau de cuisine, on en a 3. Ils auraient dû le mettre sur R, le voir tourner. Ça, plus de sens. Attends, on peut pas changer ça. Oh, il y a... Je crois que c'est le marchand, ça. Vu la gueule. Excusez-moi, on va vite fait dans le... les commandes. On peut changer toutes les touches, c'est vraiment cool. Genre A dans les menus, je crois que c'est en bas dans les menus. Genre les menus. Moi je voudrais juste changer, je voudrais mettre sur R en fait. Changer d'onglet, non. Faire pivoter des objets. R ça marche ou pas? Ouais, nickel. Je sais pas, pour moi ça a plus de sens de faire R. Je sais pas. Ou même E. Ah ouais. Par ici, étranger. Après, c'est un peu bête parce que on n'a pas le côté nostalgique pour nous. Parce que l'original... Non, je suis même pas full vie, tiens, je viens de remarquer. Parce que dans l'original, c'était tout en anglais, il n'y avait pas la de VF. Donc c'était genre « Welcome, stranger ». On va pouvoir faire des affaires, toi et moi. Donc voilà, là, on n'a pas ce côté-là. C'est vrai qu'on perd un peu... On perd un peu ça, on perd un peu ça du coup. Devenir riche, comment avancer, comment avancent les requêtes? Savais-tu que tu pouvais échanger les spinels que tu reçois en récompense contre des objets de valeur qui ne peuvent pas être achetés autrement? Parmi tous les objets utiles que nous avons, je te conseille surtout de prendre une carte au trésor.
Ces cartes indiquent les emplacements des trésors cachés de la secte. Il nous a fallu un paquet de temps pour réunir toutes ces informations. Avec ces cartes en poche, à toi la liberté financière. Seul bémol, tu devras t'aventurer dans des zones dangereuses pour mettre la main sur ces trésors, mais rien d'insurmontable pour toi, je me trompe. Ça, j'aime beaucoup le fait qu'on ait du secondaire et tout. Ils ont très très bien fait. Mission de fusil. On va d'abord sauvegarder. On va peut-être faire un peu... Bah non, on va d'abord parler au mec et après on va faire le tri dans notre inventaire. Bienvenue. Alors, le marchand, vous pouvez acheter... Ou... Ah, le rire. Je crois que ça c'est la version anglaise par contre, le rire. Vous pouvez acheter ou vendre des armes et des objets chez le marchand. Vous pouvez également améliorer ou réparer vos armes et votre équipement. Requête du marchand. Lorsque vous avez complété une requête, allez parler au marchand pour obtenir votre récompense. Je savais que je pouvais compter sur toi. 3 spins. Ah oui, ça c'est ce qu'on avait fait, les médailles. Dératisation, ça aussi on l'a fait. J'ai mis la main sur quelques raretés étrangères. Ah, c'est ça les spinels. Oh mon dieu, c'est quoi tout ça? Lance-carreau? Ça existait pas, ça? À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Le choix est vite fait, l'ami. J'ai un doute, je sais pas si ça existait, ça. Celui-là, oui. Je me rappelle, c'est un car, ça. Enfin, ouais, bon, ils ont pas les vrais noms, je crois. Mais je crois que ça c'est le quart. Dégâts, faut-toi contre les points faibles. Ouh putain, c'est bien. Pouvoir perforant compatible avec diverses lunettes. Ça c'est vachement bien les bonus. Équipé avec des mines adhésives servant d'explosifs à proximité. Hein, peut-être. Je sais plus si ça y était. Lunettes optiques standard dispose de 2 niveaux de grossissement. Elle peut être montée sur des fusils et certaines armes automatiques. Spray, 10 000 le spray. Ah ça c'est le... Je me demandais ce que c'était les carrés. Ça vous montre les emplacements en fait. Que ça prend. D'accord. Extension mallette. Augmente la taille de la manette. Ah, ça m'intéresse. Le temps, c'est de l'argent, tu sais. Carreau. Non, mais tais-toi. La formule. Bof, pas besoin pour le moment. Augmenter la puissance. Répare et restaure. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. C'est super, super cher. Alors, les jetés utilisés, j'ai cru qu'ils ne sont plus utiles. J'achète tout et n'importe quoi. Ah, genre clé de la cave. Comment on sait que c'est utilisé? Parce que je sais qu'on l'a utilisé au début, mais... Pas mal. Alors ça, je crois que objet destiné à être vendu, ça marche. Merci. Là, on n'a qu'un seul rubis, on va pas vendre le pichet, on va attendre d'avoir des rubis et tout ça. C'est combien le spray? 5000 lins. Ouh, 5000 lins. Ouais, c'est moitié prix quoi en fait. Échanger. Diamant jaune, pierre ronde de couleur jaune. Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. Pistolet qui a un faible recul et un excellent pouvoir perforant. Ah, ok. Herbe jaune. Carte au trésor village. Carte qui indique les trésors du village. On va le prendre. T'as un faible pour les trésors, hein? T'as bien raison. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le Punisher ou l'herbe jaune? Est-ce que ça vaut le coup, le Punisher? Ah, mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. T'en avais plein, vous devez faire place dans votre mallette. Où est-ce que tu comptes mettre ça? Dans ta poche? Oh merde. Annuler l'échange, oui. Est-ce que ce sera tout? Elle va pas te faire tuer, hein? Ah. Coffre. Comment on... Dépasser? Non, pas ça que je vais faire. C'est automatique. Je peux pas... Ah, mais tu peux pas les mettre, ça. Tu peux mettre que les armes. Ah, ok.
Je peux pas le vider. D'accord, tu peux mettre que armes. On va prendre ça. Un choix judicieux. Les munitions de cette arme transperceront à peu près n'importe quoi. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Reviens quand tu veux, surtout. Okay. On dirait un 5-7. Je crois que c'est ça en plus, en fait. Vu la gueule. Honnêtement, je crois que c'est ça. C'est un 5-7. Alors, je vais voir un peu. Je veux juste voir la différence. Je peux... Genre, déposer ça. Il me faut encore un emplacement. Oh putain, ah oui, mais c'est là vraiment la merde. Je voulais les comparer, en fait, les armes. Ah, oh, c'est chaud. Bienvenue. Ouais, on va alors, galérer. On va galérer avec l'inventaire. Qu'est-ce qu'on... L'approche. Mission de mitraillette, mission de fusil. Maintenant, on a... Ça, on n'a pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Les carreaux, on n'a pas la recette. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On fait des cartouches de fusil à pompe. Cette fois, achète. Voilà, déjà, ça fait un peu de place. Ok. Quelque chose. Ok. Fais voir un peu. Examiner. On est à puissance 1. C'est 1, 10, 1, 1, 4. Alors il y a plus de balles. Il a une meilleure carte de cire, un meilleur rechargement, une meilleure précision. Il fait un tout petit peu moins de dégâts. Pouvoir perforant compatible avec viseur laser. Et lui il fait quoi? Lui il fait rien. Compatible avec viseur laser, c'est tout. Ça marche. Bienvenue. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. On va utiliser le Punisher, je crois. On va prendre ça. Un peu de place ne peut pas faire de mal. Cette taille devrait être 20 points. Ok, très bien. Ouais, on va utiliser le Punisher. Faire un peu de place. Alors ce qu'on va faire, on va prendre celui-là, on va le vider. Faire tuer, hein. Par contre, qu'est-ce que c'est quoi le mieux? C'est d'équiper le couteau de combat ou de cuisine? Ah, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'on peut les vendre, les couteaux de cuisine? C'est 200 l'un. C'est pas cher, en fait. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. 2300. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Tu parles trop, tu me stresses. Arrête. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. J'aurais bien voulu ça, au final. Un couteau, c'est un travail qui demande de la finesse, étranger. C'est du bon travail, si je peux me permettre. On peut faire ça. Eh bien, je vais certainement pouvoir faire quelque chose de ça. Il y a les sprays qu'on pourrait vendre, 5000 lins. En quoi puis-je t'être utile? 10 000 encore. On a quoi? Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. J'imagine que acheter... Reviens quand tu veux, surtout. Acheter une augmentation de...
Genre une augmentation de munitions, de chargeurs, là, ça remet toutes les munitions. Bon, on a plein de soins, ça va, c'est cool. Très bien. Allez, on avance. Ouais. On jettera le pistolet. On le mettra... ouais. Il y en a un, ça c'est en 2, 3, 4. Ok, ça marche. On le mettra en, dans la boîte quand on l'aura vidé. Hey! Objet. Faut pas que je recharge. J'ai désactivé la recharge automatique. On peut le désactiver, ça. Normalement, s'il a plus de balles, il recharge automatiquement. Ou alors, on peut simplement la désactiver, comme ça c'est... Où est-ce que je suis? Honnêtement, j'en sais rien. Un forastero! Un forasteros? Il vise mieux quand on bouge pas pendant un moment. Cette balle. Oula. Me dis pas qu'on va avoir le... Je crois que c'est quoi, le géant? Oh mon dieu, putain. Oh, il nous faudrait tellement le car là, avec une lunette. Oh mon dieu, on va passer un mauvais moment. Ils m'ont vu. Je crois pas. Il me faut tellement un sniper, c'est ouf! Merde. Non. Ah, attends! J'ai une balle. Ok, cool. Ça, on vire. Vous pouvez... logique, oui. Alors, attends. Mon dieu. Ow. Ah, on est pas bon. Oh, mon dieu. D'accord, ok. On a mal joué. Et ils sont vénères, les machins. Putain, ils te laissent pas... ils te laissent pas 3 secondes de répit. Hein. Ils te foncent dessus, tu les repousses, ils te foncent dessus. Hein. Chaud. Mais ouais, là, sans sniper, on va passer un mauvais quart d'heure. Ça va être compliqué. Okay, très bien. Nickel. Mon dieu, il y en a beaucoup. Mon dieu, t'es sérieux? Il vient d'où, lui? On m'explique? Attends, on va faire ça. Quoique, c'est que ça coûte cher. Ok, je crois qu'on a fait du bon, là. Il est vachement bien, ce pistolet. Il
Ok, là c'était nettement mieux. C'était genre mais nettement mieux. Encore une grenade. Ah. Voilà, maintenant je regrette. Alors ça. Je me demande si une seule herbe verte augmente la juste. Je pense que ça doit donner le même. Enfin, faudra voir. Là, on peut voir en fait la vie qui est augmentée. Faudra voir si on met une rouge avec, si ça augmente plus. Oh oh oh, attends. Le fait de tirer un peu plus vite, honnêtement, ça, je vois la différence. Oh la vache. Merde. Oh mon dieu. Comment elle a fait pour me l'envoyer? Ah, elle est au-dessus de moi, je crois. Désolé, j'ai glissé. C'est un peu loin. Très bien. Oh, ok. Foutez-moi la paix. Dégage. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Emblème hexagonal, ok cool. Recharge-moi ça. Je peux mourir. Putain. Ok, bon toi t'es relou. Plus je pense même pas qu'on puisse arriver à son niveau. Petite clé. Ouh. Ok, cool. Oh, il est en train de muter.
Ok, il est tombé. Ah mon dieu, il y a encore tout ça. Merde! Pas mal, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On prend ça. J'ai pas de rouge, ça m'emmerde. Go, 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 go. Y'a trop de monde. Pêche. Ok, go. Oh putain, c'est maintenir, d'accord, ok. Ça s'arrête jamais. Charge, je crois qu'on est bon. Je sais pas si je me soigne ou pas. Je voudrais bien une herbe rouge en fait. J'ai fait de la... Ok, bon, ça va, on va se soigner, ça va, j'ai compris. Je vais quand même attendre d'avoir une herbe... Pas quoi que, attends, si je fais ça... Ça se... Non, c'est pareil. Dégage. Putain, je me suis loupé à... contrer, là. J'ai bien merdé. Là, on aurait pu bien le bloquer, j'ai merdé. Go. J'ai encore des... Ok, on a 5 cartouches. Eh ben... T'aurais pu Salut, venir... étranger. T'aurais pu venir m'aider, hein. Alors, tiroir verrouillé, trésor, trésor, enfoncement hexagonal. Ah oui, alors attends, on a récupéré une petite clé ordinaire, elle ne peut servir qu'une fois. Parce qu'on a eu aussi une quête, c'est bon, village, devenir riche, ok. On a eu une quête... Oh mon dieu. Oh d'accord, c'est tout le village en fait. Il vous montre tous les trésors dans le village. Oh la vache. Par contre, je pense qu'on peut du coup revenir là et ouvrir. Attends, mais il y avait. Ah oui, ouvrir ça là. Ouais. Ça vaut le coup. Ouh, c'est quoi ça? Masque élégant. Je crois qu'on peut mettre des objets. Oui, trois emplacements. Il y a trois renfoncements ronds. On peut insérer des pierres précieuses. Après, qu'est-ce que j'ai? La trésor. Non, mais... Non, mais, Léon... Ouais, pareil, c'est fun, honnêtement. Ça se marie bien dans le gameplay.
de pouvoir parer avec le couteau, c'est vraiment sympa. Juste que des fois il est un peu mou. De la qualité, rien que de la qualité. Je trouve. Léon. En quoi puis-je t'être utile? Faut grave anticiper en fait. Ma marchandise est en parfait état, je te le promets. On a deux de ça. J'achète tout et n'importe quoi. Attends, est-ce que j'ai besoin d'acheter quelque chose en fait? Parce que là on peut mettre les trois joyaux sur le masque. Oh, ça t'en auras pour ton argent, je te le garantis. Achetez ceci et recevez la lunette en cadeau, offre limitée. Oh, ça tue ? Ah tiens, on peut comparer les armes aussi, j'avais pas vu. Ouais, on peut comparer les armes comme ça. Cool. Oh, let's go ! Achetez le SR et recevez ceci en cadeau. Souhaite de beaux rêves à tes ennemis de loin, en leur collant une balle en pleine tête. Tiens, prends ça avec. Offert par la maison. Bah merci. Alors, offre limitée. Les offres de réduction ne sont valables que pour les chapitres durant lesquels elles apparaissent. Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Tiens, étranger. Ça, c'est cool, ça. 2140. Il a autant souffert que ça. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Là, j'ai 1700. Putain, c'est tout est très méga cher. C'est un peu incroyable. T'as pas assez, étranger. Je sais, merci. Là, ça ferait 5000. Là, c'est quoi? 3000, 4000. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Elle va pas te faire. Tu parles grave trop, mec. Tu parles grave trop. Attends, c'est où les. C'est là. Et. Comment on fait? Je me rappelle plus. Comment on voit les. Ah, c'est là. Ah, on peut retirer les pierres précieuses aussi. Ok. Donc là, si je mets deux rouges, une bleue, ça fait quoi? Bah rien en fait, il faudrait trois rouges. En fait. Il n'y a pas de rouge et une bleue. Après, je peux faire rouge et bleu, ou deux rouges. Oh putain, ça tue. Oups. Je peux les retirer quand je... Retirer toutes les pierres précieuses, oui. Ok, ça va. On peut tout simplement les mettre. Genre si je fais ça. 3000 c'est 1.2 pardon. 18000. D'accord. Tu es hein. Bienvenue. Alors, je vais pas le vendre parce que j'ai pas vraiment besoin d'acheter autre chose en fait. 18000, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On ferait des upgrades de l'arme, mais bon. Enfin, c'est vite fait quoi, on en fait deux. Les et armes c'est sont fini. Entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Ouais. Non, on va pas le faire. La prochaine fois, achète quelque chose. Oh, mec, tu parles trop. Honnêtement, tu parles grave trop. Oh là, tu me donnes mal à la tête. Non, mais je vais attendre d'avoir des meilleurs bijoux. Ouais, on va attendre d'avoir des meilleurs bijoux. Ok, très bien. Ça, on peut le mettre dessus. Okay, comment on fait? Élément lunettes. Ah, d'accord. En fait, elle est pas sur l'arme. Elle reste dans l'inventaire. Ah, merde. C'est chiant, ce système. On va se mettre en 3. Ça, on va le mettre en 4. Alt. Putain, c'est Alt, le zoom. Wow, putain, on dirait... Ah oui, ils ont...
C'est pas mal, c'est pas mal. Ils ont voulu vraiment faire beaucoup plus réaliste que qu'avant. Hein, pour vous avez vu comme ça bouge et tout. Ah, je peux pas viser. Ouais, ils ont voulu vraiment faire beaucoup plus réaliste qu'avant. Ben ouais, c'est pas si mal. Ouais, c'est sympa. Ah, il faut vraiment que je le tourne. Ah, ok. Comme ça. Il y a encore un trésor à aller récupérer. Merde. On va voir. Oh. Ok, c'est genre... Ah mais non! Non, non, ça c'est avant. Nous on va dans l'usine désaffectée maintenant. Non, ça c'est l'usine désaffectée, ça c'est la nouvelle zone. Putain, je me perds. Par contre, il y a une poudre noire là. Elle est où? Elle est à droite. Elle est là. Ah, ah, ah. Allez, cassos. Sauvegarder. Salut. Salut, tu parles trop. Hein. Étranger. T'es au courant que tu parles trop? Faut que tu sprints. Ok, go. Good, 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 good. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Par contre, j'utilise trop le couteau, je pense. Faudrait que j'utilise plus pour ou pour contrer, seulement contrer. Ouh, de la ferraille, grande ferraille. Ou pour contrer, ou pour poignarder. Mais pas poignarder, enfin poignarder quand on fait de l'infiltration, pas, pas en combat là comme ce que je viens de faire. C'était un peu du gâchis là. Faudrait que j'aille le réparer honnêtement. Si je le casse rapidement, on fait demi-tour et on le répare. Je pense que ça vaut le coup de tuer les... Ouais.
Faudrait faire des cartouches peut-être. Ça mot à propos de poupées, leur influence n'est plus ce qu'elles étaient. Détruisez les poupées mécaniques, ne pardonne rien ces aristocrates. Ça marche. Ah, c'est ça. Okay. J'entends un gros truc. Ah, attends, on peut... genre baisser ça. Oh merde. Ok, ça, c'est... comme ça, ça évite de le salir en fait. Attends, par contre... Ah oui. Oh merde. Ah putain. Putain, c'est bien toutes ces balles. Cartouche de pompe, ça serait sympa. Oh, on pouvait le poignarder. Au moins. Je crois qu'on lui a fait bien mal là. Oh. Ne t'enlève pas, ok? Émeraude. Bon bah ça va, c'est pas insurmontable quoi. Je m'étais mis juste derrière le piège à loup exprès. J'avais fait exprès de me mettre là, hein, parce que je l'ai vu le piège à loup. Je me dis tiens, on va le bloquer, ça va nous laisser un peu de temps pour pouvoir faire quelques dégâts. Ça a bien fonctionné. On a eu un couteau en plus, un petit couteau. On va peut-être le garder maintenant, le petit couteau. Hein. Par contre, on va faire demi-tour et on va aller réparer notre couteau. Et je crois qu'on va mettre fin à notre deuxième épisode. Et moi, alors ça c'est quoi? Un collier agrémenté de perles. Objet destiné à être vendu. Ok, 5000, ça marche. Ah, j'aime beaucoup le gameplay. Le gameplay est nerveux, tout ça, mais c'est pas genre action bête comme... enfin, bête. Genre action simple, je veux pas dire que c'est bête, et, dans le sens où c'est nul, mais genre RE5, ah, RE6, vous voyez ce que je veux dire? Karma feu. Bienvenue. Mais là, on n'est plus... En quoi puis-je t'être utile? Putain, toutes les armes qu'il a. Mais on n'est plus sur du RE2, par exemple. Je parle des remakes, on n'est plus sur du RE2, on n'est même plus sur du RE3, en fait. On est... Parce que RE3 est un peu plus action... que RE2 remake,
Mais là, c'est même mieux en fait. C'est plus action, mais les c'est. Les richesses que tu amasses te serviront à une affaire bien. Mais c'est de la bonne action en fait. Il y a de la stratégie et tout, parce que si on y va tête baissée, on tire sur tout ce qui bouge, ça marche si pas des masses. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Je pense qu'on va augmenter la résistance du couteau. Directement. Parce que honnêtement, ça permet de bloquer tout ça. Par contre, il me faudrait un peu plus d'argent après. On commence à bien cerner tes goûts. Étrange. Ah ok, j'ai gagné un peu de résistance, ça marche. Reviens quand tu seras en mesure de payer. Fais bon en... Par contre, ouais, non, mais tu parles trop. Tu parles vraiment, vraiment trop. Fais voir un peu... Non. C'est quoi ? Vert. Ah, c'est à partir de 4 que le vert, ça marche. Là, nous, on a deux bleus. Deux bleus, deux rouges. Une verte. Ouais, on n'est que deux rouges, en fait, qui est intéressant. Il nous faudrait une jaune. 1-3. Ouais, on pourrait faire de l'argent sur ça, mettre deux rouges, ici. Ouais, ce serait deux rouges ou une bleue-rouge. Bah deux. Enfin, ah oui, mais non, bah, y a que... Non, il n'y a que deux emplacements. Donc du coup, c'est ou ça. Donc le mieux, c'est deux rouges. C'est le plus cher. Ouais, là, on peut pas faire mieux, en fait. On peut pas faire mieux. Donc ça, c'est le plus qu'on va en tirer, c'est ça. Confirmé. Okay. C'est sympa, le système, ouais. Ouais, là, on peut... Là, si j'ai bien compris le système, on peut pas en tirer plus. Parce que bleu et rouge, c'est 1.1, et là, c'est 1.2. Et on peut pas mettre plus de 2. Haute. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Nickel. Merci. Les carreaux, je sais pas. Ça fait un peu cher pour un lance-carreau. J'ai pas la place. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. On a le fusil qui est vide. On a une cartouche dedans. Je vais voir. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Je crois qu'on va tester ça maintenant. Capacité 6, augmente la capacité. Modeler une arme, ça t'épate, hein? Fais voir. Ah non! Putain, ils ont changé ça! Oh la vache! Ça va faire des années que c'est comme ça, Resident Evil. Ça va faire 20 ans que c'est comme ça. Ça va faire 20 ans où quand on augmente la... Bienvenue. La capacité, ça recharge l'arme. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Bon bah du coup on va faire ça. Je te souhaite bonne chance. Par contre j'ai l'impression qu'on paye pour toute la durabilité même s'il en reste, il en reste encore un peu. Est-ce que ce sera tout? Reviens quand tu veux surtout. Bon, je suis un peu deg. Si j'avais su le coup du fusil là, j'aurais pas fait ça. Merde. Le jeu je crois qu'il m'a eu là pour une fois. Après 20 ans de m'avoir habitué à recharger l'arme, bah ouais, du coup, merde. Ouais, là ça casse un peu les nerfs. Parce qu'on a... On n'a pas grand chose. On peut faire des balles de pistolet. Ouais, merde. De toute façon, j'ai pas... sauvegarder. Ah non, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Merci beaucoup d'avoir regardé. On continuera la prochaine fois. Honnêtement, ça se passe bien. Le jeu est super fun. J'aime beaucoup les améliorations qu'ils ont fait. Beaucoup plus stratégique les combats et tout. Mais plus vénère aussi. Honnêtement, non, ils sont vraiment cool. C'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Je suis très content. On a encore du soin. Mais le soin part vite hein, au final. Le soin part très vite. En tout cas, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.